ça a été assez intense parce que il y avait énormément d'enthousiasme dans le groupe et aussi avec notre équipe technique qui nous suit en tournée de reprendre la route et de remettre le couvert parce que insérer des nouveaux morceaux dans la setlist, améliorer encore tu vois cette setlist déjà super fournie, donner, essayer de donner un peu la part belle aussi à Frankenstein, aussi à Propaganda, parce que ça a été un moment qui a quand même marqué l'histoire du groupe. Et puis évidemment, tu vois, de toujours jouer des morceaux qui sont vachement importants pour nous, des Nomenclatura, des Lapo, des Chile, quand tu passes beaucoup de temps quand même à composer, à rester en studio. À un moment donné, t'as envie de lâcher les chevaux, quoi. Voilà. Donc c'est bien de répéter, mais plus ça monte, plus l'adrénaline monte, quoi. Voilà. Donc les dates sont, pour l'instant, ça se passe vraiment super bien. Quoi. En fait, on a cherché à rester un peu dans cette veine ADN No One, quoi. Voilà. Et par contre. On s'est rendu compte que les morceaux de Frankenstein étaient quand même un peu quand même différents de ceux de Propaganda parce qu'ils apportaient quelque chose de plus organique, quelque chose de plus palpable. Et c'est ce qu'a compris très vite Fred Duquesne, le master of ceremony, évidemment aux manettes, le sixième homme, pendant les périodes de studio. Et tu sais, encore une fois, c'est valable aussi pour nous et pour plein d'autres groupes. On nous reproche souvent cette espèce de différence entre le studio et le live. Voilà. Et là, je pense que c'est la première fois qu'on a réussi à rapprocher, tu vois, les morceaux du studio avec l'intensité qu'on a en live. Voilà. Et moi, pour moi, personnellement, c'est une grande victoire. Voilà. Et Fred a tout de suite compris que les morceaux étaient vachement plus organiques, vachement plus palpables et que il fallait les avoir là, quoi, tu vois, les morceaux. Non, mais c'est toujours compliqué. Alors à la fois c'est compliqué et en même temps c'est toujours. Moi personnellement j'apprends des choses. Voilà. Même au bout du 7e album, je continue à apprendre. Tu vois, être en contact avec Fred pendant toute l'élaboration de l'album, à chaque fois j'apprends des choses, à chaque fois. Et je pense que je suis pas le seul, je pense que les quatre autres aussi, tu vois, ils apprennent des choses. On est, encore une fois, on fait des compos, et ces compos, elles t'amènent ailleurs, et elles t'amènent à penser différemment. Et ça amène aussi les doutes, les interrogations. Moi j'aime ça, quoi. J'aime quand... À un moment donné, rien n'est acquis, tu vois, il n'y a rien de fait, on ne se repose pas sur nos acquis. Je pense que c'est ça le propre de l'artiste, le propre du réalisateur. On doit être constamment dans le doute. Voilà. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Parce qu'une fois que c'est gravé, quoi. Voilà. Et moi, je sais personnellement encore que. C'est l'album, c'est banal ce que je vais te dire peut-être parce que c'est le dernier quoi, mais c'est celui dont je suis le plus fier. Pour être honnête avec toi, il y a des moments où on s'est barré un petit peu ailleurs quand même. Hein. Tu vois, Utopia c'est à un moment donné une vraie idée d'aller vers quelque chose de peut-être qui fricote avec l'Indus quoi. Voilà. Evolution.com, c'était tourné vers quelque chose de rock énervé, avec alimenté par des Juno, des Moog, tu vois, de temps en temps aussi. Mais ça, c'est la volonté d'un groupe qui a jamais voulu faire le même album. Voilà, qui a jamais voulu s'enfermer et faire le même album. Pour nous, le pire cauchemar, c'était ça. Et ce dont on est hyper fier, c'est de se dire que, ouais, il y a des albums qui ont marché, il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins marché, mais ceux qui peut-être dans lequel, peut-être qui ont moins marché, et eh ben il y a des morceaux qu'on continue à jouer. La souris se déplace, elle bouge de place, de place. Révolution.com, comme ça monte.
y a des morceaux qui ont été enregistrés et qui sont intemporels. Voilà. Et ça, c'est génial. Et puis aussi, le fait, à un moment donné, de se barrer ailleurs, ça veut dire que quand tu reviens à ton propre ADN, putain, t'as une surpuissance, là, tout d'un coup, qui revient, parce que tu t'es donné de l'oxygène à essayer d'aller ailleurs et d'aller vers des terres un petit peu inconnues. Et au moment où tu reviens avec ton ADN, mais putain, mais t'es au taquet au service de la compo. C'est-à-dire pour faire des Desperados, des Hold de Pont du Peuple, tu vois, des titres comme ça. Quoi. Ouais, cet ADN Rage qui est en nous, bien sûr, hein, de toute façon, on l'a jamais renié. On le renie tellement pas que, tu vois, depuis le début de la tournée, on avait commencé un tout petit peu sur Propaganda, mais ouais, on joue Bullet in the Head, tu vois. Parce que on le dit sur scène, c'est un morceau qui fait partie de notre histoire, de notre ADN, c'est un morceau de la colère, c'est un morceau qui a. Alors il y en a d'autres hein, aussi, mais celui-là particulièrement, il a. Voilà, il symbolise quelque chose. Moi, ça me fait penser à chaque fois, la première fois où j'ai vu ce groupe, où j'ai eu la chance de pouvoir le voir, la première fois où ils sont arrivés à Paris et qu'ils avaient été enrôlés dans la tournée de Suicide London MCs, et que ce soir-là, ils disaient Montmartre, on ne sait pas qui on va voir. Et qu'on est en bas et on arrive un peu avant et on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On va boire une bière, ouais, alors allons boire une bière. Et puis tu montes, tu ouvres la porte et Rage a commencé depuis un quart d'heure. Et là, on fait 4 mètres, on s'arrête. On est figé, mais alors comme jamais on a été figé, avec des yeux comme ça sur ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. Et on se regarde, on fait, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois. Et là, t'as tous les morceaux cultes d'une génération, tu vois, qui sont en train d'être joués. Et personne ne sait qui c'est. Des moments tellement émouvants, quoi, de à la fois de découvrir un groupe qui va être majeur et qui va changer un peu la face du rock, et toi qui te dis putain, c'est ça que je veux faire, quoi. Non, c'est un coup de tête, un coup de cœur, Je me rappelle, je suis avec Poppy, on est en train de d'écrire le titre, et puis à la fin de la journée, on se dit c'est pas possible, tu vois, on entend la ligne de chant, moi je commence à gratter les premières phrases du texte, et puis on se dit on vient de passer 10 dates, tu vois, avec eux, la première partie de cette tournée du Bruit dans l'Hexagone. Et c'est tellement magique ce qui est en train de se passer entre nous, parce que oui, on a des points communs, on est deux groupes qui avons décidé d'utiliser la musique pour dire des choses, on le dit avec un rock assez énervé, alors eux avec une teinte vachement un peu plus punk que la nôtre, quoi, tu vois, parce que nous on est peut-être un peu plus heavy qu'eux, mais les équipes techniques s'entendent à merveille. On se le dit, hein, même là, on est encore dedans avec eux, tu vois, sur encore quelques dates, mais nous, on a rarement connu une amitié aussi forte avec un groupe. Quand on compose ce morceau, avec Poppy, on se regarde et puis on se dit, ouais, bah ouais, peut-être, tu vois, et on pensait vraiment la même chose, c'est-à-dire à inviter notre pote, inviter Nico à venir chanter sur ce titre. Déjà, Edune, parce que c'est un peu une ogive, tu vois, contre Donald Trump, et puis parce que musicalement, le morceau, il correspond vraiment aussi à son style à lui. À un moment donné, il y a un brainstorm dans le bus et où on se dit qu'est-ce que Donald Trump nous évoque. Voilà. Et on se dit, chacun trouve des mots, le mépris, l'arrogance,
les uns contre les autres, l'agressivité, la vulgarité présidentielle, voilà. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce qui peut symboliser tout ça en images. Et à un moment donné, je sais qu'il y en a un qui dit la souffrance, voilà. Et je sais pas pourquoi ça lui est venu, Shanka, de nous dire hey, les mecs, un parcours militaire, voilà. Et on a trouvé ça génial parce que finalement le parcours militaire ça nous impliquait nous-mêmes justement dans cette idée de souffrance, quoi, voilà, physique. C'est toujours ça, mais avec cette notion d'enthousiasme, de joie, d'énergie et surtout de fête, quoi. Alors quand on parle du live, tu vois, avant tout un concert de No One, c'est quand même une fête, quoi. Tu vois, je me pose souvent la question de me dire je pense que les gens ils viennent nous voir parce que avant tout je pense qu'ils kiffent notre zik. Voilà. Après il y a des choses qui se sont dites et dans lesquelles ils se retrouvent. Mais je pense qu'avant tout c'est une histoire de musique, quoi. Voilà. Et cette musique, elle est portée vers les autres, quoi. Donc c'est très interactif. Donc je pense que voilà, c'est pas que de l'engagement, c'est pas que de la conscience politique, c'est pas que ça, quoi. J'ai une affection particulière pour le premier titre de Frankenstein, À la gloire du marché, quoi. C'est un morceau qui me renvoie dans la façon dont il a été composé. Et puis parce qu'il a cette espèce de côté complètement trans, quoi, qui moi personnellement physiquement je suis plus moi-même, quoi. Voilà, je suis vraiment plus moi-même quand je joue ce morceau, quoi. Alors à la fois parce que il est extrêmement pervers, tu vois, dans le texte, en fait on raconte que Dieu a compris qu'il fallait rejoindre les traders, tu vois, pour sauver l'humanité, tu vois, c'est très ironique, quoi. Et puis il est quand je te dis il est très pervers, il a un côté un peu satanique, quoi, finalement. Voilà, c'est vrai que le tout, c'est vrai qu'il ouvre l'album aussi de Frankenstein, quoi, tu vois, parce que, et je sais que sur scène c'est un morceau qui me fait un peu péter les plombs, quoi. Voilà. Tu sais, No One, je pense que c'est vraiment, c'est une histoire d'humeur, quoi. Voilà. C'est cinq mecs qui aiment être ensemble, c'est cinq mecs qui aiment vivre ensemble. Il y a des personnalités qui sont arrivées dans le groupe, je pense à Poppy, quoi, tu vois, en tant que deuxième guitariste, qui ont sublimé, je pense, à la fois la compo, l'humeur du groupe, la cohésion de ce groupe. Il y a aussi Nico, notre lighteux, tu vois, qui est arrivé depuis Propaganda, Arnaud, notre régisseur, qui est arrivé depuis Frankenstein. Voilà, tu vois, il y a plein de petits éléments qui font que ça se ressoude constamment, quoi, voilà, ce groupe. Et que tu te dis, tant que physiquement on est bien pour être nous-mêmes sur scène, tu vois, avec cette idée qui nous traverse tout le temps quand on monte sur scène, mais dont on se dit pas la phrase, mais qui plane constamment, c'est on monte sur scène comme si c'était le dernier. Et ouais, voilà pourquoi quand on sort, on sort de scène, on est des épaves, quoi. Mais au moins il n'y a pas de regret, quoi. Voilà, il n'y aura pas de regret, quoi. Alors pour l'instant il y a pas mal de jus dans la machine, donc elle est là, quoi.